Bonjour, Prisade. Bonjour, mon ami. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis rentrée aujourd'hui de mon voyage. Ça va? Ça va bien. Tu as quelque chose à raconter? Il y a longtemps, ça se voit. J'ai décidé de me marier. Tu es fou! Et pour ce qui concerne les trésors? Ma femme ne me trompera jamais. J'avais fait élever une fille de la campagne qui ignore toutes les choses de la vie. Je ne comprends pas. Bonjour. Bonjour, race, vice docteur. Tu dois te marier une fois pour toutes. Moi, ce docteur? Récemment, je suis tombée amoureuse avec une fille à laquelle c'est impossible que je me marie. Pourquoi? Elle s'est déjà mariée avec un vieil idiot. Monsieur de la Souche. En fait, elle n'a pas séduit à ma cour. Parbleu, ce garçon veut voler ma femme. Tu as laissé entrer un autre homme dans la vie d'Agnée. Tu m'as désobéi. Pardon, monsieur, mais Agnée vous aime beaucoup. Ou Arnolf, j'ai connu un autre homme qui m'a fait la cour. Il s'appelle Horace, tu le connais? Non, ma chérie, mais si tu veux, nous pouvons nous épouser. Oui, je l'aimerais bien. Agnée, Agnée! Je t'aime. Tranquillise-toi, je veux te sauver de ces mariages arrangés. Agnée, Horace, bonjour. C'est quoi ce bruit? Mon père, tous les deux veulent me pucer. Mais Agnée, qu'est-ce que tu dis? Tu veux pucer le monsieur de la Souche par Arnolf? Ils sont la même personne, tu n'as pas compris? Ma chérie, tu aimes Monsieur de la Souche ou Horace? Mon père, j'aime Horace. En effet, c'est lui que tu dois me dire.